Le Stampede de Traxxas à quatre roues motrices est un camion monstre sans balai à un dixième. Avant de sortir le camion de la boîte d'emballage, faites attention à enlever soigneusement le système radio Traxxas. Le Stampede à quatre roues motrices comprend un système radio TQI, offrant une transmission radio à modulation de fréquence sans cristaux. Prenez bien note du paquet d'instructions joint au véhicule. Ce paquet comprend les outils de base, un chargeur de piles, des autocollants, le catalogue des produits et le manuel du propriétaire de votre véhicule de Traxxas. Il ne reste que quelques petites étapes à parcourir pour rendre votre véhicule de Traxxas prêt à piloter. Reverrouillez la barre de wheeling réglable du véhicule. Enlevez tous les goujons qui tiennent la carrosserie du véhicule attachée au châssis. Tirez le petit goujon en métal de l'avant du dispositif de retenue de la pile et enlevez la pile afin de la charger. Une première charge de la pile dure normalement toute une nuit. Mettez la pile PowerCell dans le chargeur de mur et mettez-la sous tension. Nous vous rappelons de ne jamais laisser une pile sans surveillance lorsqu'elle est en train de charger. Pour réinstaller la pile, insérez-la dans le châssis avec les fils vers l'arrière du véhicule. Faites glisser le dispositif de retenue de la pile dans la partie arrière du véhicule, puis remettez le goujon en métal dans le trou du poteau. Branchez toujours la pile rouge au rouge et noir au noir. La porte du compartiment pile est située sur la partie inférieure du contrôleur. Ouvrez-la par glissement et installez quatre piles AA. N'oubliez pas de vérifier la polarité des piles. Après avoir refermé la porte du compartiment pile toujours par glissement, localisez l'interrupteur sur la partie inférieure du contrôleur. Si un voyant vert s'allume après avoir remis l'appareil sous tension, votre système radio est opérationnel. Installez la pile, puis localisez le bouton Easy Set se trouvant sur le contrôleur de vitesse bleue. Un témoin DEL rouge s'allume indiquant que le camion est opérationnel en mode pile métallique de nickel. Remettez la carrosserie du véhicule sur le camion en introduisant chaque goujon de carrosserie dans l'endroit approprié. Une fois terminé, le Stampede de Traxxas est prêt à piloter.